Un match-up du ce qu'on voulait les gars en fait. What? Ok tranquille. Bon là c'est du warm-up les gars. Du coup genre ouais c'est pas un mec du le Falco Ditto pardon. C'est un match qui va être super intéressant parce que le neutral game va beaucoup se ressembler, évidemment c'est un peu les mêmes persos. Bien que Falco il a vraiment des outils de neutral game bien différents. Que ce soit les blasters ou ses grands sauts, il peut jouer sur les plateformes. Les Falco ont souvent une petite dissociation de ce côté là. Est-ce que je vais être plus blaster, plus patient, plus emmerder l'adversaire? Je m'excuse, je vous présente mes excuses pour ce vocabulaire un peu abrupt, mais bon. Ou alors il va jouer avec les plateformes, tourner autour de son adversaire pour trouver cette petite faille. Et détecter et commencer un gros combo en fait. Donc je connais pas trop le style précis des deux joueurs, comment ça va passer. Mais je pense que ça va être super intéressant et surtout on va avoir de très gros combos. Parce que le punish game par contre dans ce match-up est super intéressant. Celui qui a le plus gros punish va être celui qui risque de gagner le match. J'ai déjà oublié ce que j'allais dire. Tu parlais des deux styles des joueurs. J'attends de voir le résultat étant donné que c'est moi qui ai seedé Chang parce que Rondel ne le connaissait pas. Et le match commence. Ouais, c'est bon les gars. Et du coup, on va commencer. On commence. Alors, ça commence sur Dreamland. Un très bon stage pour Falco. Mais vraiment très bon stage. Personne le prend et je comprends toujours pas pourquoi. C'est un excellent stage. Falco ici il a de l'espace. Il peut reacher la top plateforme avec un saut. C'est le seul dans le jeu vidéo qui peut faire ça sur ce stage. Il a tellement d'espace. Regardez-le comme il tire ses blasters. Il a aucun problème. Il peut monter sur une plateforme, faire un saut qui va traverser la moitié du stage. Il a tout son espace de piaf pour s'envoler, tirer des blasters. Alors oui, il va mourir vite. Mais guess what? Falco il perd ses vies trop vite sur n'importe. Quel stage! Il a pas. Bien qu'il va perdre ses stocks vite ce stage, là où les autres vont peut-être résister un peu plus parce que Momo, c'est dur de tuer et les adversaires ils ont des vrais recovery. Moi je joue Falco, je rage. Sauf que en vérité, le neutral game dans ce stage, mais c'est à 100% pour Falco! Donc, Falco player, mais counterpiquer ce stage même sur les flottis! Qu'est-ce que vous attendez? Bref, après ce petit cours de stage counterpical pour les Falcals. On est déjà à un 3 stock match. En effet, les stocks sont partis assez vite. Je suis désolé de ne pas avoir pu vraiment les commenter. Mais on va se reconcentrer là-dessus. Les gars veulent tirer un laser et porchider l'adversaire de l'autre pour en tirer deux d'un coup. Malheureusement, ça passe pas ni chez l'un ni chez l'autre. C'est dommage. JN commence un combo double petit. Ça passe bien. Ça se fait arrêter direct. Bam, bam. Oh, dommage, j'avais l'idée. Je pensais une DXR de JN où il allait tomber. Il le suivait dans sa chute. Malheureusement, ce n'est pas passé. Joli ce backerlight. Il a coincé cette plateforme. Malheureusement, Chang a un peu hésité sur la suite de la punition. Ça ne chill drop pas malheureusement. Jian qui prend ses sens. Ce der, il était un peu ballsy. Ce petit backer dans les jambes, petit shield stab. Là encore une fois, leur émission shield aurait été pareil. Bon, l'up smash là c'était un peu ballsy. Hein. C'est un peu lent par rapport au neutral en shield sur lui. Joli backer, il a pas touché le sol, plus de soigner rien. Momo, j'ai une réco de merde. Oui, bah bon, tu joues Falco. T'assumes. Chang qui va, joli, ça se grand saut un peu feinte. Neutral air en reculant en plus, ça l'a poussé un peu, il a pris ses distances. Même avec un shield drop, ça aurait été dur pour l'atteindre. Mais Jian qui prend cette stock avec ce back air. Et Chang, pas content, tire un blaster. Ça roule beaucoup, ça a peur. Ça a peur du punish game de l'un comme de l'autre. Der Shine, ça passe bien. Malheureusement, on saute pas, Breath Shine, c'est pas grave. Il est déjà bien placé pour enchaîner. Il tente une petite pression. Des fois, les uppers, c'est bien aussi dans cette situation. Parce que les EPR vont permettre un shield stab possible. On reste sous la plateforme, on est plus safe. Monter en shine là-dessus, c'est souvent s'exposer à des options out of shield ou des shield drops qui peuvent faire mal. Petite pression, ça joli le grab. En effet, il était trop proche, une attaque lente. On a l'habitude avec Falco que son adversaire reste en bouclier. Oh, des petits double shine. On a l'habitude que son adversaire reste en bouclier, donc subisse la pression. Sauf que non, faites un coulant, que ce soit Falco ou quoi, vous faites punir. Chang, il voit une roulade, il roule instant pour maintenir sa position sur l'adversaire, c'est marrant. Là, le grab malheureusement qui passe pas, en effet, le Der Shine très bien placé de la part de Jian. Ah, le blaster qui va peut-être le sauver. Oh, Shine Tunner Under pour le steal. La petite roulade, ça prend bien. Joli, dommage. Joli, ça se back air. Chang qui prend un peu de distance, qui contrôle un peu le centre du stage. Par contre, Jian, ça va, il est venu, il a fait un grand saut backer pour bien couvrir tout le centre comme il fallait. C'est relativement propre. Ça se tourne un peu autour. Ah!
pas de tech, dance match, deuxième dance match, c'est sale, c'est porc, c'est gras, mais ça marche. Mais ça marche. Très propre de la part de Chang, du coup, qui a vu la non-tech de son adversaire. Direct dance match. C'était très propre. Il a, at least, après l'attaque ratée de Jian, forcément il se prenait le dance match. Il aurait pu faire la deuxième sur la recovery. Malheureusement, fallait vraiment smash DI dans le mur. C'est un peu tricky à faire. Donc je peux comprendre. Jian qui counterpick du coup sur Yoshistory. Il veut un petit stage maintenant. Il veut mettre des vrais combos. Il veut s'exposer. Il veut faire des Falco Ditto de la passion, quoi. Regardez-moi ça là. Blaster smash avant dans le neutral. On sent pas les steaks, mon gars. Ça se tourne autour joli d'air. Dans le bouclier ça passe bien, ça, il se fait pousser en dehors du stage. Il prend un peu son temps, double saut back air en prenant un peu les distances sur la possibilité que Chang mette une attaque derrière. Joli ça, le petit air. Malheureusement il a pris trop de temps pour son deuxième aérial. Il a voulu voir où son adversaire allait. Le problème, son adversaire choisit une option très rapide. Du coup il était en retard pour la punir. En même temps il était trop tôt avec son saut, donc il devait perdre du temps. Et le problème, du coup Chang a pris un truc vide, donc il était trop rapide. Un peu voilà. Joli shine, il a pris son temps pour ce back air. On sait beaucoup de stun contre ce personnage. Joli ça de Chang qui prend son temps. Chang qui est... C'est marrant parce qu'on sait que c'est un... Oh le nuage, oh le bar et le dance match. Et il revient quand même. Bien que Chang était très réactif sur son edge guard, ça ne suffira pas. Trop proche pour faire ses jabs. Évidemment, c'est la punition en shield grab. Jian commence à lire un peu les déplacements de son adversaire. On voit Jian parfois qui s'arrête au milieu. Si Chang se jette dessus ou pas. Joli tech de la part de Jian. Il reste en bouclier, il attend. Il prend son temps. Voilà, Jian, c'est un mec du blaster. Chang, c'est un mec de la plateforme. Voilà, c'est exactement le genre de double neutral que je parlais. Chang, c'est un mec de la plateforme. Jian, c'est un mec des blasters. Et on voit la différence du coup dans ces deux jeux de Falco. Et c'est assez drôle de voir ça. Ah, ça se tournait un peu. Ce qu'il a tenté, la Jian qui a pris un peu 600, il a pas osé le finir. Le der, c'est dommage, un backer, on n'en parlait plus. Il a voulu le mettre au sol, malheureusement au sol à ce fantasy, c'était pas forcément utile. Sauf qu'il a pas pu le suivre après au sol. Ça, c'était risqué de le faire au centre du stage, surtout à ce fantasy. Mais c'est passé. Et ben voilà pourquoi c'est risqué, parce que tu punis ton adversaire. Tu le savais que c'était dangereux, mais tu l'as fait quand même. Bien joué la part de Jian, du coup, qui tue ton adversaire avec un up smash. Ça tente dessus, mais Chang qui prend bien ses sens, ce petit wave dashback. Joli grand saut neutral. Chang qui utilise bien ses neutrales d'ailleurs, hein, avec Falco. C'est une bonne portée horizontale, ça lui permet de bien prendre ses distances. C'est assez gras, ça touche bien comme on aime. Dommage. Le short up un peu trop en arrière pour pouvoir chainer derrière et mettre un combo. S'il s'était peut-être retourné up tilt, peut-être il aurait pu le toucher. Mais je pense qu'il était quand même un peu loin. Dommage, il aurait pu chainer out of shield là, par contre il l'aurait touché. Malheureusement, Jian qui a fait une esquive aérienne toujours dans la continuité derrière lui. Le grab pouvait pas passer. Short up back air à la limite. Ça lui tourne autour. Hein. Chang, tu utilises les plateformes. Jian les blasters. Ah, ça c'est un blaster ça. C'est dommage qu'il ait raté son blaster parce que c'est punition dans sa tête. Et Chang s'est arrêté juste devant lui. Il s'est senti un peu en retard, je pense. J'ai eu de la part de Jian qui a pris son temps. Il a fait son shine puis un der en early. Ce qui lui permet du coup de couvrir justement le shield grab de son adversaire. C'est très bien. Joli back air. Ça remet les pendules à zéro. Ça a pris son temps, mais un peu trop. Malheureusement, il aurait pu punir cet up smash. C'est dommage. Du coup, ça se prend un back air, c'est un B. Et le nuage qui n'est pas là pour le sauver. Ça perd sa stock. C'est dommage. Joli le der à la redescente. Jian qui fait un petit mur et vient vers le centre. Ça se fait shiner malheureusement. C'est dommage, ça enchaîne pas derrière. Joli saut pour esquiver le grab. Il redescend en back air, il prend son temps. Maintenant Jian commence à imposer aussi un peu son rythme. Il a un bon contrôle de stage mine de rien. Chang parfois qui souvent... Chang perd beaucoup de temps à faire un saut. Un double saut pour voir ce qui va se passer. Du coup pas concrétiser ses opportunités et ses punitions malheureusement. Du coup Jian prend ce second match. Je suis coincé un poil de barbe dans le micro, ça fait super mal. Oh, vous avez pas idée. Ouch. C'est donc ça, c'est piler la barbe. Je ferai jamais ça, c'est débile. Donc 1-1. Je pensais qu'il y avait 2-0 pour Jian, mais je suis un peu autiste. Du coup, destination finale. Là où on voit que Chang, c'est un joueur de la vieille, c'est qu'il fait un Falco Ditto sur destination finale. Et ça, seuls les joueurs de la vieille époque peuvent comprendre à quel point ce match-up a été l'histoire de la France pendant des années. Genre vraiment, vraiment, ça a été genre tous les top players jouaient Falco
Et jouait toujours sur Destination Finale. À l'époque, on n'était pas sur des stages, ou quand bien même c'était le stage des vrais. Donc forcément, il est de cette époque, tu vois, regarde, c'est un vieux joueur. Donc forcément, Destination Finale instant, c'est assez drôle. Chunk qui prend un peu ses distances, mais Chunk qui est moins à l'aise dans son jeu de blaster. Mais maintenant qu'il a pas de plateforme, ça va peut-être plus le calmer, remarque. C'est marrant comme c'est pas un stage qui va dans le style de jeu de Chang, mais c'est lui qui a coup torpillé quand même, et finalement il va s'en sortir, je pense. Encore une fois, ce double saut, heureusement que le bouclier de Jian était plus faible, il a pu shield stabber en pleine tête, ce qui lui a permis de prendre le stock après cette belle prise de bord. Sinon, Jian aurait pu se protéger et ça aurait été la punish sur Chang. Oh là, il voulait le bord, je pense, mais là il est un peu, heureusement il était loin. Joli back air, le DR qui fait mal, et non, le grand saut malheureusement. Chang qui était un peu trop bas, mais jolie couverture en short-top neutral sur l'approche de Chang. Chang qui bourre et qui fait un magnifique donner à la fin de sa pression en reculant. Parce qu'il sait que c'est à ce moment-là où il est faible en fait. Donc il le fait en reculant des fois qu'il a une réaction de la part du Falco d'en face. Joli grab, malheureusement ça... Oh, le double... Oh, Chang! C'était très propre ça. Il l'a fait descendre au blaster petit à petit. Il a touché le sol avant lui. F smash. Allez, gage D, Jian. Gage D. Joli, ça passe. Ça s'enchaîne. En effet, il a touché le sol. Il était au sol quand tu fais un chaîne à ce moment-là. Il y a une loose qui l'envoyait très loin comme ça. Le père, pourquoi pas. Au moins, il le met sur la pression avec ses blasters. Mais ça qui est drôle, c'est que genre, il a plus de plateforme. Il se force à utiliser des blasters du coup. Et on voit qu'il a un jeu de blaster qui est très solide. Oh, le get-up en reverse. Très malin, on le voit rarement alors que c'est très propre. Joli neutral à presse d'air. Il attend un peu, dommage, il avait l'idée. Il savait que Jian allait venir sur le stage. Malheureusement, un poil trop loin. Ce grab, encore une fois, Jian qui a fait son d'air un poil trop tôt. Et prend son temps. Oh non, Jian qui se suicide malheureusement, lâche le bord. Chang qui est chaud, Chang qui tourne dans son adversaire. Déroule dans tous les sens, il le rend fou. Et là, ça passe bien. Prend ses distances. Il retourne son jeu. Maintenant, il a son jeu de blaster. Et c'est. Mais. Putain, mais. Chang, tu me dégoûtes. Mais fais ça sur un stage avec des plateformes, sérieusement. Chang, il a un bon jeu de blaster. Il faut attendre que ce soit sur Desti pour qu'il le mette en place, tu sais. C'est genre de Falco. Il est trop fou quand il voit des plateformes. Il se sent plus. Il a besoin de sauter partout. Je le comprends. C'est vraiment funky. Mais des fois, malheureusement, c'est plus solide de faire des blasters. Et il a un jeu solide de blaster. Là, il a pris un peu ses distances. Il était pas sûr de quel tech allait faire Jian. C'est dommage. Des fois, un blaster ça couvre bien d'ailleurs. Oh, le petit Waveland il était propre. Malheureusement, ce match avant un peu trop bolisé. C'est dommage. Le blaster qui n'est pas passé avant que ce soit un shine, je ne sais pas. Mais certainement pas un side. Mais joli, s'il va le chercher très haut. Le début du comeback. Baby comeback. Le blaster qui passe pas. Juste un peu au-dessus. Le side B qui le plaque au sol. Ça ne suffira pas évidemment. Hein. Chang qui retourne bien vers le centre du stage. Tire ses blasters. Jian le sait, il va se la jouer patience, maintenant il va tirer ses blasters, mais Chang qui prend son temps, qui met des boucliers, il casse son truc, et là c'est la fin. Un terre sur cette B, joli, le blaster qui fait tomber l'adversaire sous le stage, et là ça devient très facile pour placer un terre. Très 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 propre de la part de Chang, qui gagne ce set 2-1. Tu passes pas les poules? Ah mince, t'es rien là? T'as perdu Kunti? Un Chang qui a perdu malheureusement contre Kit Candy, ZCK et Metal. Et c'est les. Et il a perdu contre JD également. Chang du coup qui nous a fait un match quand même très propre. Hein. Ne passe pas les poules. Ah oh, j'avoue. La poule des Falco, tu sais. Tu m'étonnes, Kit Candy il a dû se faire plaisir. Hein. Je sais pas où il est ce gros sale. Kit Candy il a dû se faire plaisir. Hein. Bah ouais, il s'amuse contre des Falco. Il s'est mis bien. Donc le Falco vert de Gouchang que vous venez de voir assez explosif, ne passe pas les poules.